la rencontre du documentaire en Haïti du 3 au 10 décembre pendant une semaine sur la thématique exilé dans son pays. Nous inscrits au festival d'Aria, c'est un très difficile bon, comme chaque année, mais pour 5e édition, ça, son festival qui a fait un contexte vraiment difficile. Et cette année, on a pu voir le festival là, un dimanche, avec une exposition photographique, installation sonore, et réalisée par Fallon Pierre-Louis, mais qui est fait en collaboration avec Albert Kevinson. Son travail qui a regardé Port-au-Prince, qui a regardé PIA, mais une vision voilà, choquante, une vision qui ancrée. Donc, après, le festival sera dans les camps. Donc, on a fait une projection dans les camps. Donc, on a dans plusieurs camps, donc au lycée des jeunes filles, donc au gymnase Vincent, République du Brésil. Donc, c'est quand ça va capacité le festival là, pour plusieurs projections. Et puis, le festival sera aussi chez les habitants, dans Kaï Moun. On a fait projection dans Kaï Moun parce qu'en pile, on n'a pas qu'à déplacer. En pile, on est obligé de rentrer dans Kaï Moun avant 6h du soir. Potio a fermé ou bien barrière a fermé. On a fait projection avant barrière a fermé. On a conseillé de projection tout dans l'école. Donc, vous voulez le cinéma dans l'école parce que nous pensons qu'il y a importance pour nous éduquer, écoliers, timonio. Comment nous amener une autre narration, une autre discours, une autre histoire racontée en autre façon. Après, nous avons un programme, nous les docs en cours, qui c'est à la rencontre de plusieurs cinéastes qui viennent de projets qui sont en cours. On a pu se voir Pierre-Michel Jean, on a pu se voir Rachel Magloire, Erton Edmond, Tara Laina, Samuel Suffren, moi-même. On a pu se voir tout projet SAO que plusieurs cadres cinéastes professionnels ont bien pu échanger sur eux. Et puis au dernier lieu, on sera chez nous, bien entendu, Kit Médiathèque. Kit Médiathèque qui c'est espace que l'association a lancé, collectif l'a lancé, collectif Kit, qui lancé depuis l'année dernière et qui sont un espace de créativité tout le long de l'année. Nous comptons recevoir toute activité, quasiment toute activité nous là, de conférences, après de l'échange, après film et de projection. Donc nous comptons et ne pas oublier parler de l'Institut français qui c'est un espace qui accueille à tout le monde. Et tout festival là, c'est le moment pour nous partager avec l'autre monde. C'est pour ça que nous mettons un cadre de rencontre documentaire. En Haïti, deux ateliers. Et premier, c'est une initiation à la photographie pour les femmes qui est faite du 4 au 10 décembre. C'est deux jours de formation en photographie pour les femmes. Parce que nous rendons compte que nous manquons de femmes dans le métier audiovisuel. Nous avons besoin de plus de femmes qui participent dans le métier. Ça. Ensuite, nous avons un atelier qui est un atelier sur l'écriture film documentaire. Que nous baptisons Arnold Antonin, comme un gros monde dans le monde cinématographique là, en Haïti. Et nous avons une résidence Arnold Antonin, atelier ça lui-même, il a pour deux semaines. Et la fin là, samedi 2. Et c'est le moment pour nous, nous avons participé dans l'atelier ça, pour commencer à écrire le projet. Et puis après ça, nous allons accompagner pour finaliser le temps. Et puis aller plus loin avec nous. Et nous pas oublier pour nous remercier partenaires qui sont toujours avec nous et comme chaque année, ça fait nos 5e année nous avons l'Institut français en Haïti qui toujours supporte nous à tous les niveaux, nous avons tout et la focale qui toujours supporte nous et année ça c'est 5e édition comme chaque année nous toujours et prioriser ce qui a passé dans le pays comme c'est notre année ça c'est exilé dans son pays pas exilé à l'extérieur du pays, mais dans son pays, parce que nous finissons par voir que dans des quartiers populaires, par exemple, Capoufeuille, on est obligé de déplacer, quitter l'espace, qui a 10, 20, 30, 40 ans à vivre là-dedans, pour y aller avec une femme qui est bonne. En plus, c'est le cimetière, c'est l'école, c'est des institutions publiques qui habitent nos aires. Et qui attend-nous avec une telle activité culturelle? Attend-nous, c'est. Ça nous gagne comme objectif, c'est porter parole ça, by plus que possible. Question cinéma, que nous voyons qui est censé effacer le pays, mais nous voulons rehausser. Et nous pensons que nous avons des hommes qui sont plus accessibles, qui sont plus faciles dans le moment, par rapport à la situation économique du pays, c'est le documentaire, le film documentaire. Donc, c'est ça que nous priorisons
et médium ça. Donc attendre nous c'est que plus monde possible qui est au courant mais qui est édifié de et médium ça et plutôt qui peut-être intégré pourquoi pas. C'est pour ça nous avons atelier nous autres. C'est pour capable après peut-être faire des relations avec nous pour intégrer. Donc nous disons privé dans quand yo donc comment nous même n'a privé sensibiliser monde ça au travail là comment la pied. Ok, son travail qui fait déjà. Nous gagnons des rencontres en amont de avec Mounsayo, surtout avec le comité Kayo, que nous avons planifié avec eux, qui jouent à venir, à qui nous avons venir. Et nous avons bien accueilli l'initiative là parce que et nous connaissons comment ça est, nous nous déplacer. Côté où nous avons fait, nous avons activité bien faire encore. Si nous avons fait, nous avons fait l'école, grand monde nous avons fait travail, nous avons fait travail. Donc, c'est si tu as réfléchi avec ce qui a passé dans le pays. Donc, côté où activité comme ça qui permet yo et ba konnen passer en stress ou bien évader l'esprit un peu yo té bien accueilli et yo té même et mandé pour nous faire plus que ça même nous ka faire malheureusement que nous pas ka aller au-delà yo demandé pour nous faire plus projection possible pour yo mais malheureusement nous konnen moyen yo pas permettre nous donc nous faire ça nous ka faire et aider yo passer moment difficile.